faites attention à vous. Ah bon, c'est bombe lacrymogène ou c'est bombe agricole. Ils l'ont tué. Nous, à Manoir, quand on voit ces images, bien sûr, ce n'est pas fini. Est-ce que c'est sérieux de rouvrir la circulation? Ils vont le chercher, Yann. Faites attention à vous. Ah bon, c'est bombe lacrymogène ou c'est bombe agricole. Ils l'ont tué. Nous, à Manoir, quand on voit ces images, bien sûr, ce n'est pas fini. Est-ce que c'est sérieux de rouvrir la circulation? Ils vont le chercher, Yann. Wesh, y'a un mort, y'a un mort. Wesh, y'a un mort. Wesh, 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 wesh. Là, ça part en couille. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, peace and love, il n'y a rien de mal. Moi, il n'y a rien de mal. Je suis pas mort, les gars, mais en tout cas, il y a un mort. Et en fin de compte, non, c'est pas un mort. C'est quelqu'un qui s'est fait arracher le genou, tout simplement. Et apparemment, ce que j'ai appris aujourd'hui, il n'est pas mort. Donc, voilà. Par rapport à la manifestation et à la vie de recherche que j'ai eue pour ma part, où on a dit que j'étais peut-être l'auteur du meurtre des CRS. Je ne l'étais pas. J'étais simplement en garde à vue et j'ai été mis en dépôt. Au dépôt, pardon. Voilà, pendant 70 heures. Peine maximum 70 heures, sinon il y avait une repousse. Mise en dépôt à 22h le 28, non le, attends, 24, 26, le 26, mise au dépôt le 26 au soir à 20h, fin de garde à vue. Je suis arrivé au dépôt de Porte de Clichy à 22h, j'ai attendu je suis rentré en cellule bien équipé, tout neuf, à Porte de Clichy, vu que c'est tout neuf, vous savez très bien. Voilà, franchement, le tribunal de grande instance, franchement, c'est une prison. Moi, je vous dis, c'est une prison. J'aurais mis filmer pour vous montrer que c'était. Et il y a des grilles. Et en fait, c'est comme en prison, il y a des grilles. On dirait Alcatraz, il y a des grilles et hop. Et en tout, il y a des cellules et tout. Le premier bâtiment, ça part du 01 jusqu'au 8. Et c'est que des cellules. Que des cellules et sur la longueur. Et après, tu montes au quatrième. Quatrième sur la gauche. Quatrième sur la gauche, c'est les bureaux. Enfin bref, c'était assez magnifique. Allez, partagez, on monte à 80, on telle heure, on monte à 88. Allez, on partage, s'il vous plaît. Nous sommes là, on est au Paris. On fait une petite réunion pour le premier. Voilà, moi, vous inquiétez pas, je suis vivant. Je suis pas le problème de la vidéo qui a tourné à mon nom. Je ne suis pas là pour casser. Moi, je n'ai pas cassé. J'ai juste avoué mes choses. Et mes choses, la seule chose que j'ai avouée et que j'ai pu faire et que j'ai fait, c'est rejeté la pastille. Et la pastille que j'ai rejetée, je vais vous la montrer tout de suite, bien sûr. Allez, là. Je prends mon sac, je vais vous montrer c'est quoi la pastille que j'ai pu rejeter. Je suis avec mon équipe, hein, regardez. Je suis en gilet jaune. On est en gilet jaune, on est là, on discute. Donc voilà. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé, pourquoi je me suis fait prendre. Je sais pas si vous avez regardé les directs que j'ai pu avoir lors de la manifestation. Je sais pas si ça a fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Bon, je vais tenir parce que je vais pas casser, pas détériorer la mise en service du repas de lendemain. Et bon, juste pour vous montrer. Voilà en fait ce qui m'a été reproché. Et en plus des causes. Mais vous allez rigoler. Je vous fais ça parce que histoire de, comme ça j'arrête de picoler, puis j'arrête de manger, je laisse parler un peu. Voilà. Bon en tout cas c'est normal. Lui tout va bien. Voilà. 82 personnes en direct, s'il vous plaît, en partage. Par rapport à mon avis de recherche, mais tout va bien. On redescend à 77, 81 maintenant. Allez, on partage, ne vous inquiétez pas. Là je suis tout seul. Je vais vous montrer. Des petites certaines choses, ça va être sympa. Ah, on me coupe. Bon, attendez, je vais devoir bouger. Bah oui, hein, le bistrot va fermer dans pas longtemps. Donc, voilà. Donc attendez,
ne fermez pas. Là, du coup, ils ont dit, ne fermez pas. Écoutez, là, on partage toujours, s'il vous plaît. 83 personnes maintenant, c'est super. Merci beaucoup. On quitte pas. On quitte pas. On quitte pas. On quitte pas. Je sais pas si vous m'entendez, messieurs dames. Donc, revenons pourquoi je me suis fait avoir. Je sais pas si vous vous rappelez, suivant mes directs sur Nombre Rendu qui est petit partagé en public, je vous ai montré que j'avais perdu une semelle. Vous vous rappelez ou pas? Est-ce que vous vous rappelez? Oui? Non? Oui? Non? 86 personnes, oui, non? Vous ne savez pas? Ok. Eh bien, écoutez, vous ne savez pas, mais moi, je vais vous dire que vers midi 14h, j'ai perdu une semelle droite. Voilà, exactement, c'est ça. Moi, je vous le dis. Vers 14h. Midi 14h. Et j'étais à, toujours, à rue de Rivoli, si je ne me trompe pas. Rivoli, on remonte, rejoint les femmes. Parce que les femmes, elles sont parties très tard. Voilà. Et regardez, on me reproche. Je veux tout vous montrer. Je veux sortir en cellule, je veux tout vous montrer. Et gentiment, nous sommes au Paris, à rue de Paris, au Paris, nous sommes tous ensemble. Petite munition, ça c'est flashball. Ça, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai récupéré. Et ça, c'est plus tard dans la vidéo. En restant, tiens. Petite pastille, et c'est la cause pourquoi je me suis fait interpeller. Je vais en venir tout de suite, je la mets devant. Puis ça, c'est le canon. Des pastilles. Et là-dedans, en fait, on en met 7. C'est un MPK-7 ou je sais pas quoi, ils m'ont dit les policiers. C'est un truc, ils en mettent 7. En fait, ils pètent en l'air sur 100 mètres. Et c'est noté. Hein. C'est noté. 100 mètres. Vous voyez, 100 mètres. Et des codes et tout. Après, j'en sais rien, moi je connais pas trop. En tout cas, les 100 mètres, c'est enlève en l'air. Et ça. Ça peut être 100 mètres et il pète 7, c'est 7 pastilles en fait, c'est un PK7 ou je sais pas quoi. En fait, il y en a 7. Voilà, et j'en ai récupéré une, pas souvenir, ils m'ont laissé. La police là-dedans, ils sont avec nous, moi je vous dis, hein, la police, ils sont avec nous, sincèrement, ils sont avec nous. Après, les CRS, ils font leur métier, ils sont obligés. Et moi j'ai rien fait, mais face aux casseurs, après ils savent plus. Je t'ai reconnu par mes gants de chantier que mon patron m'a donné, 103 personnes, on partage encore s'il vous plaît. Nous sommes au Paris, voilà un petit groupe, il est là. Et le groupe là, Gilets jaunes, ils sont où là? On est là. Voilà, vous voyez. Donc voilà, juste un petit message. Si, bah si, je vous filme. Ouais, on se voit même pas. Salut. Bah si, regarde. Mais non, c'est pas ça, mais voilà. Donc voilà, on a fait la petite réunion comme prévu au Paris. Toujours en direct ou pas, s'il vous plaît? 104 personnes, toujours en direct. Un oui ou un non, parce qu'ils me disent terminé ou partage. Un direct, je suis toujours en direct ou pas? Vu que j'ai bougé le téléphone, s'il vous plaît, un petit oui. Donc, bref, bah, ça fonctionne, si ça fonctionne. Ok, bref. Donc là, ils m'ont mis ça en scellé parce que c'est des trucs de boulot et anti-chauffe et anti-coupure. Donc là, ils m'ont mis dans le truc. Voilà, donc moi ce qui me reproche c'est d'avoir rejeté les projectiles, un projectile, ça, la pastille de fumigène, ça, j'avoue, ça c'est vrai, ça je l'avoue. Et ils m'ont accusé de, alors rigolez, deux secondes, hein, vous allez voir, ils m'ont accusé d'avoir cassé une vitrine à 14h à l'opposé de Paris, alors que j'étais à la Madeleine à ce moment-là, bon bref. Pour pillage dans ce magasin là, or qu'il n'y a pas eu de vol, et la partie civile ne porte pas plainte. Okay. J'ai un avocat en or, et en plus de ça, il n'y a pas eu de vidéo, je suis tombé avec un entier, voilà, bien pour moi, je suis tombé avec un entier à l'OPJ, refait, il y a 2-3 vidéos. Bam bam, c'est pas ses crèmes. Par contre, voilà, j'ai rejeté une pastille que j'ai avouée. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer en 2 secondes 9, avant la meilleure vidéo que j'ai voulu faire, pour faire une sacrée vidéo, parce que je suis en train de l'écrire. C'était un truc très important par rapport au soutien de la France.
et des Antilles et du Maroc. Je ne pertiens pas partout, malheureusement. Je suis bien vivant, je ne suis pas la personne décédée, mais qui n'est pas descendue aujourd'hui, car apparemment, elle était juste déchiquetée à l'île de Maroc. Mais la personne, apparemment, n'est pas morte. Voilà. J'aimerais un peu plus de partage, s'il vous plaît, pour avoir un peu plus de vues. Ce serait super bien pour Norman Rallye par rapport au soutien qu'il a pu avoir au niveau de toute la France à la 93. Ce serait super bien. Au niveau de nos parents, c'est super. Donc on revient. Et donc voilà, je me suis fait avoir avec ma semelle défectueuse. Moi je rejoins mon groupe et toujours sans semelle. Je me suis fait avoir avec ma semelle défectueuse droite. Donc en gros, j'ai relancé le principe. J'avais ramené un de mes gilets jaunes dans une gare. Et ensuite de ça, je suis remonté sur les Champs-Élysées, malheureusement comme un connard. Et j'aurais pas dû, mais je connais pas Paris par cœur et tous les métros étaient fermés. Donc de là, j'ai repris les Champs et les Champs parallèles. Et on est revenu bloqué. Il y avait 20 gilets jaunes, 25 gilets jaunes, il n'y avait rien. Et en fait, et de l'autre côté, qui était vraiment très parallèle à l'autre, à notre rue, et ben, ils ont pété en l'air. Et il y a eu un ou deux pastilles de fumigène qui est tombée sur notre rue. Et il y avait une femme et deux enfants. Et donc celle-là, ben, je l'ai récupérée. Nous, on était sur le trottoir. Je l'ai récupérée, elle avait tombé dans le caniveau. C'était pour les enfants que j'ai fait ça. Et malheureusement, c'était fumée blanche. Et en fait, il y avait 5 sections de deux. De deux polices, 5 sections de deux sur la rue, et c'était fumée blanche. Et quand j'ai renvoyé en fait la pastille, celle-là, là, c'est pas celle-là, mais c'est pareil, c'est pas celle-là, c'est sûr, parce que celle que j'ai envoyée, ils sont chez eux. Enfin bref. Donc c'est une pastille comme ça, parce que ça tourne à fort là, on a 7, il y en a 7 qui tournent fort, et après ça devient une grosse fumée, et c'est un truc de ouf. Bon bref. Vous savez très bien déjà aujourd'hui. Donc voilà, donc, je vais renvoyer ça. Et donc grosse fumée. Et en fait, il y a 5 sessions de 2. Et quand j'ai renvoyé avec mon bras, bah, après ça fait une ouverture. Et donc du coup, j'ai vu deux gars. J'ai vu un vieux et un jeune. Ils sont arrivés sur moi. Et moi, j'ai tourné et j'ai glissé avec malheureusement mon pied droit. Et ensuite de ça. Ah, ils m'ont matraqué, j'ai dit c'est bon zen,